Salut les gens, c'est Tizo et aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre partie sur Fear Persis Mandate. Donc je m'étais arrêté parce que IRL je devais malheureusement décaler, donc là on va reprendre là où on était. On s'était arrêté dans la mine vers pour rallier la base finale, on va dire, enfin le dernier chapitre. Donc là on est à l'avant-dernier chapitre. Je m'étais arrêté en pleine fight et tout, et là on va reprendre du coup. Donc je crois qu'il y a des mecs qui se trouvaient juste à droite. Et c'est la deuxième grenade que je me prends. Merci. Parce que juste avant, je m'en suis pris une autre de grenade. Oh bah la musique, ça... Ah bah bravo la musique. Ah, il y avait qu'un seul ennemi? D'accord. Que je peux sauter? Y a rien. Alors, tout popopo. Bon, pas de screamer à mon retour, hein. Ça aurait été drôle d'en mettre un quand même. Bon, ça a l'air bien calme maintenant. C'est louche tout ça. Allez, on se dépêche. Ah, bon, quelle arme? Allez, petit coup de laser. Ah, j'ai vu les assassins. L'histoire d'assassin n'est pas finie. Ah, ramé juste pour ça. Ah, petite sauvegarde et tout. J'ai essayé de redémarrer plusieurs fois le jeu pour avoir que pour que ça lag moins quand je fais les sauvegardes, mais il va pas pour l'instant pour ce niveau, j'ai l'impression. En fait, au final, les sauvegardes, ça dépend du niveau où vous êtes. J'ai l'impression que le niveau de la mine, il galère un peu à sauvegarder sans me faire freeze. Morrison, paix à son âme, a dit qu'ils allaient récupérer l'ADN de cet Alma. À ce que je vois, le bâtiment est divisé en trois niveaux. Le premier pour la recherche, le suivant pour la production. Le dernier niveau était une sorte de chambre forte. Ah bon, extérieur maintenant. Ah, petit assassin. Il n'y en avait que 3. Étonnant. C'est d'ailleurs étonnant qu'il me faut combattre des assassins dans un milieu clos. D'habitude, ils ont l'habitude de me les foutre en close quarter. Là. Sauvegarde et tout. Papapara, papapara, palalala, j'aime comme mon jeu lag. Papapara, papapara, papapara. Allez, rends-moi le jeu, merci. J'entends un truc. Je sais pas si c'est le bruit ambiant, mais j'entends comme une sorte de chalumeau. Pas l'air d'y avoir grand chose. Hein. Allez, on se casse!
vous mettez bien. T'as l'habitude de retrouver les assassins. Je pense pas que ça serait des, me remettrait des gars normaux. Il y en a encore à la musique, elle s'arrête pas. Ah quoique. Je dois récupérer. À 3 heures. Ouais. Laissez-vous. Ouais, t'as un contact visuel, mon coco, et c'est wham. Ça pue l'embrouille ici. Comme par hasard. Et voilà. Ah, changement de niveau. Est-ce que la sauvegarde sera moins violente ? Bon, c'était inutile. Ah, j'entendais plus rien, je pensais qu'il y avait un bug son. Ah là, c'est full noir, là, on n'y voit rien. Ah là là, le jeu. Merci beaucoup. Ah. Un petit quitter démarré, hein. On se tape des lags. C'était prévisible. Hein. Hop là. Quitter la partie. Un joueur chargé. Usine de clonage. Non, le lag va pas leur voir faire grand chose. Quand même pas là, il va devoir redémarrer le jeu, ça veut dire. Ouais. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, hein, on recommence. Hein. Allez, nous revoilà. Cette fois ça va bien, faut redémarrer le jeu quand ça fait ça. Oh là là, putain, sauvegarde qui casse les couilles. Ah là là. Nuit, tu peux vous faire un petit monologue en attendant. Bon, pour l'instant, ce labo a l'air très inquiétant. J'espère ne pas tomber sur des personnes un peu trop méchantes. Genre des Gatling Gun ou des gros molosses dans des couloirs bien sombres et tout. Qui vont me faire descendre mes PV à une allure folle. Hop là, et c'est parti. La cible est bien dans la zone. Gardez les yeux ouverts. Sur lui. Vers lui. Oh. Encore des méchants.
Ta grammaire, toi, putain. On en met un derrière, putain, les salopards. Allez, connard, casse-toi. Putain. Je prends de lumière là. Cible en rade. Barre. J'ai besoin de renfort maintenant. Quelqu'un à la cible visuelle. Ok, attends, il y en a un ici. J'ai des problèmes. Elle est bien cette arme, mais elle s'épuise vite. Hein. Ah là là, c'est génial pour la dernière partie de l'extension. Je n'aurai pas ma sauvegarde rapide, puisque c'est limite une sauvegarde longue. On va pas se faire chier. Ah, j'ai peur. Ils ont volé son enfance, ses enfants et sa vie. Ma mère n'apprécie pas les voleurs. C'est cringe tout ça. Connard. Ah, c'est par là. Avec ces bruits là, le bruit d'aspirateur. Ça en fait des laboratoires avec des expériences gore. Relevez tout. N'oubliez rien. Oui, chef. Casse les oreilles leur truc là. Oh là là. Ah, les démons qui t'attrapent par les pieds là, t'as un... Gros, c'est des Dyson. Ils ont un bruit, il est ridicule. Attends, j'espère que dans le 2, il y aura... ça fera un peu plus peur quand même. Hein. Normalement, on devrait flipper un peu plus. Bien normalement. Mais le voilà.
Bon, il a fait. Elle a roté, la porte quoi, s'est fermée. Alors, on espère qu'on ne va pas mettre de saloperie dans la canalisation. Voilà. Le sujet a changé. C'est évident. C'est-à-dire que c'est pas canon, tout ça. Ouais. Ça m'énerve un peu que ça soit pas canon, puisque ça veut dire qu'ils ont fait... Ils se sont donnés tous mal pour faire des extensions, et au final... Les deux changent tout. Mais j'ai vu que le studio du 1 avait perdu ses droits chez son éditeur. Du coup, ils ont dû changer d'éditeur pour le 2. Ce qui explique pourquoi ils ont eu besoin de changer les événements. On aurait dû avoir un truc qui fait flipper ici, non? Bon. Regardez-moi ça, on dirait un bruit d'aspirateur. Arkham ou Ark? Armacam. Je ne me suis jamais soucié de lui. Have a soft and train in a neighborhood. Ghostbuster. Comme dirait mon ami Vinko, on va chasser des fantômes. Pff, c'est quoi ce labo? Il est long là. Allez, donnez-moi des gens à tuer. Ah. Papapala, on descend dans des labos très qui font très très peur. Ah, bravo! Comme ça. Piu. Et tout? C'est un peu mou, les gars. Après, si je suis un intermédiaire, j'ai envie de dire, mais bon. On descend dans la grotte encore une fois, dans le labo de clonage. Extermination! Allez, c'est parti. On va exterminer des gens. Allez, j'ai pas le temps moi. J'ai un jeu à finir. Bah, Dieu fait un peu plus clair ici.
Ah, il m'a fait mal le néon là. Je viens d'avoir des nouvelles du niveau 1. Il y a eu de sacrées. Ah, il y a eu de sacrées pertes là-bas. Baissez-vous, plantez-vous. J'ai deux hommes à terre. Quelqu'un le voit. Allez, cadeau. On se met à couvert. On nous tire dessus. Ah, 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 ah. Avec celle-là. Ah. Oh, putain, jusqu'au bout le jeu, tu veux pas me rendre mes sauvegardes rapides là ou me faire des sauvegardes qui mettent sa vie. Ah, désolé que vous ayez à subir ça, les abonnés. Ceux qui regardent. Allez, on y retourne. On a mis des gros pistolets. Ça veut dire qu'il va y avoir grosse bagarre. On a des problèmes. À couvert. Où dois-je aller? Voilà. Le bullet time. Ouais, tourelle, c'est pour être utile contre les gros robots ou les gros méchants. Vous voyez, j'ai des problèmes. On subit des tirs. Aïe. Putain, il casse les couilles. Voilà. La trousse de soins. Et là, je suis là, moi. Quand t'attrapes la chiasse. Oh, oh là 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 là. Ah, ah, je me suis fait avoir. Attraper la guibole. Allez. Ensemble.
ça. Elle les a tous cramés. La cible est bien dans la zone. Gardez les yeux. Hop là. J'étais quand même monté à 170 PV hein, avec le jeu d'origine, donc... Je sais pas si j'ai récupéré toutes les seringues, mais bon. Après, elles sont obvious, hein. C'est facile de les trouver. Oui, c'est curieux et fouillé. Je pense pas qu'ils jump. Ouais, je pense pas avoir trouvé de jump pour en récupérer une. À couvert. À 5 heures. Ah, il y a chez une tour, elle, ils viennent même pas. Sortez de là. Ah si. Tire quand même un peu la tourelle.